Bonjour! Donc bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue dans cette deuxième visioconférence Partage au soleil levant. Donc cette visioconférence elle est organisée par l'association Lyon Japon Nihon Jinkai et puis elle est soutenue par le bureau consulaire du Japon à Lyon. Pour les nouvelles et les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, donc je me présente, je m'appelle Jessica et je suis vice-présidente de l'association Lyon Japon Nihon Jinkai et je suis également chargée de mission au service économique et scientifique du consulat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc notre ami Adrien pour une interview exclusive. Donc, je dis quelques mots un petit peu sur l'association Lyon Japon. Elle a été créée en 2009, donc bientôt plus de 10 ans, et elle a pour but de rassembler les Japonais de Lyon et de la région, de faire connaître le Japon auprès des Français et de promouvoir les échanges culturels, et économiques entre les deux pays. Quant au bureau consulaire du Japon à Lyon, donc il a réouvert ses portes en 2003 à Lyon. Et donc, il a pour mission de soutenir les ressortissants japonais, d'assurer leur sécurité et puis de faire découvrir aussi la culture japonaise auprès des amoureux du pays du soleil levant. Actuellement, on compte plus de 4000 ressortissants japonais donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et également 200 entreprises à capitaux japonais. Donc, pour cette deuxième visioconférence Partage au soleil levant, donc nous accueillons Adrien pour une interview exclusive. Et suite à l'interview, on répondra à toutes vos questions qu'on a bien reçues préalablement donc via le lien d'inscription. Nous en remercions. Donc, cher Adrien, donc bienvenue parmi nous. Tu es... Bonjour à tous. Ouais. Tu es ingénieur de formation, tu es docteur en biologie. Tu as vécu plus de 7 ans, je crois, au Japon. À peu près, oui. À peu près. Mmh. Et tu as rencontré donc ton épouse Naoko en 2015 à Tokyo. Et puis vous êtes tous les deux de grands passionnés de cuisine, de grands fans de cuisine. Il y a eu le déclic en 2018. Donc vous avez ouvert votre premier restaurant de cuisine japonaise familiale, donc à Lyon, dans le quartier des Canuts, donc le quartier de la Croix-Rouge. Je dis premier restaurant parce qu'on attend tous qu'il y en ait un deuxième. Pas certain. Pas certain. Bon, déjà un premier, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Mais vraiment, l'objectif, c'était de mettre en valeur le côté chaleureux de la cuisine populaire et familiale, donc du Japon, mais aussi de faire découvrir les saveurs authentiques du Japon aux Lyonnais. Et depuis le 2 juin, donc, vous avez réouvert donc, suite au déconfinement, on en est ravis, et vous proposez donc une cuisine japonaise du quotidien, les teishoku. Vous proposez également une sélection de thés japonais raffinés, des gâteaux faits maison, des dorayaki, et tout ça dans une ambiance épurée, avec une décoration que vous avez choisie vous-même. Bien sûr. Donc tout ça, ça met l'eau à la bouche, on va parler cuisine pendant au moins... 40 minutes ensemble. Et mais commençons par le commencement. Donc, qu'est-ce qui t'a mené, en fait, qu'est-ce qui t'a fait aimer le Japon? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et qu'est-ce qui t'a mené là-bas? Eh bien, déjà rebonjour encore une fois à tous, hein, et merci. Je suis content de pouvoir être ici aujourd'hui pour parler. Un petit peu de cette expérience qui, je pense, est intéressante, et si elle en inspire certains, ça sera chouette. Donc pour commencer par le Japon, hein, en effet, donc, oui. Moi, c'est un pays que mon enfance a été bercée par le Japon, je pense comme beaucoup de jeunes de notre génération, mais je n'ai pas fait d'études de japonais J'ai fait des études d'ingénieur, hein, et c'est en école d'ingénieur que j'ai un petit peu abordé la langue japonaise. C'était avant tout pour fuir les études scientifiques, un petit peu. D'accord. Mais aussi parce que j'avais quand même un certain intérêt pour ce pays qui m'était très très mystérieux. Et c'est par la suite que j'ai eu l'occasion, donc, d'abord en tant que touriste, d'aller voir ce pays et de découvrir sans m'attendre vraiment à quoi que ce soit. Mais ce qui m'a vraiment fait apprécier le Japon et ce qui m'a donné envie d'y retourner, d'y rester longtemps, sont surtout des rencontres avec des Japonais qui sont devenus de très très bons amis, hein, qui sont toujours là-bas. Exactement. D'accord. Des amis qui me sont très chers, à Kyoto notamment, et qui ont une grande influence aussi bien
sur mon intérêt pour le Japon que sur ma bifurcation en fait, hein, du domaine scientifique et ingénieur à autre chose qui finalement me correspond peut-être mieux. Peut-être mieux, voilà. Ouais, c'était voilà, ta bonne étoile, je pense, qui t'a guidé là-bas. Où est-ce que tu es parti la première fois au Japon ? Dans quelle ville ? Au départ, c'était un voyage, hein, donc simplement les classiques, Tokyo, Kyoto, jusqu'à Hiroshima. Et ensuite, lorsque j'y suis retourné pour y vivre, ça a été principalement à Tokyo. J'ai passé un petit moment de ma vie à Kyoto aussi, et c'est là que j'ai fait vraiment de très très belles rencontres. Mais principalement à Tokyo pour le travail, du coup. Et quelles ont été donc tes premières impressions quand tu es arrivé là-bas ? Quelle a été, quand tu as posé le pied sur le sol japonais, quelles ont été tes premières impressions ? Alors, ça a été... parler des premières impressions en tant que touriste, déjà, ça a été vraiment ça remonte maintenant, hein, une grande... C'était en quelle année, hein ? C'était en 2004, je pense, 4 ou 5 peut-être, la première fois que j'y suis allé. Bien 15 ans. Oui. Ouais. Et une impression de propreté, tout d'abord, hein, en arrivant à l'aéroport de Narita, c'était assez impressionnant. Et rien qu'à se balader dans la ville ensuite, c'était vraiment, vraiment ça. Et puis, le côté très, très pas dire scientifique, mais très, très, très carré quelque part, hein, pour absolument tout, qui correspond grandement. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié ensuite au quotidien. D'accord, ouais. D'accord. Donc Narita, donc l'un des aéroports de Tokyo. Est-ce que tu as eu, quand tu as vécu donc plus de 7 ans quand même au Japon, quand tu as commencé à t'installer là-bas, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés ? Qu'est-ce qui a été difficile, je dirais, dans ton installation au Japon ? L'humidité. En été. En été. Non, en fait, été, ouais. J'ai commencé à enfin, lorsque je m'y suis installé, c'était le début de l'été, début de la saison des pluies, hein, ouais. Du Tsuyu et Tsuyu, la saison des pluies. Que je ne m'attendais pas à une telle humidité. Et j'habitais sur, pas un entresol, hein, mais vraiment au rez-de-chaussée, mais un rez-de-chaussée un brin bas. Et l'humidité s'accumulait de partout, c'était incroyable, à un tel point que je ne parlais pas vraiment japonais, hein, à l'époque, hein, juste quelques petits mots. Et j'en étais arrivé à chercher alors un mot qui me paraissait incroyable et impossible à retenir à l'époque, Joshitsuzai. Oh là là. Joshitsuzai, il fallait que je retienne ça pour aller demander ça c'est où qu'on achète ça déjà ? Enfin, c'était pas au Combini, hein, dans les magasins de bricolage, de DIY, de bricolage ou autre. Oui. Et ce sont des espèces de boîtes. Des espèces de boîtes avec dedans, c'est quoi, un gel de silice, je pense, qui absorbe l'humidité. Et en fait, on met ces boîtes dans son closet, dans son armoire, où qu'on veuille, et c'est censé absorber l'humidité. Ouais. C'est incroyable parce que dans la chambre ou dans le petit studio où j'étais, la boîte s'est remplie en une nuit, je crois. C'était affolant, quoi. Donc vraiment l'humidité. En plus, dans les placards japonais, on peut découvrir aussi des cafards. Oui, mais bon. Ils sont un peu plus gros que... Oui, ça, ils ne font pas mal. Ouais, non, ils font pas mal. Ils volent juste et puis ils sont juste répugnants. Mais ouais, il faut savoir que l'humidité et puis la chaleur aussi, notamment à Kyoto, quoi. Kyoto qui est une ville vraiment qui est dans une cuve. Oui. Toute la chaleur en fait se concentre et l'été n'est pas toujours facile. Donc c'est vrai qu'on en parlait dans l'autre visioconférence avec notre ami Laurent, que les étés étaient assez durs quand même, quoi. Ils sont pas secs et chauds comme ici. Quand on travaille, c'est fatigant. Ouais. Ouais. Quand on y est en tant que touriste, c'est pas... On est en tant qu'en short. On boit du thé frais à toutes les vending machines au coin de rue. Et... Ouais. Et puis voilà, et ça passe, c'est sûr. on parle de tourisme et tout. Donc parmi les participants, vous êtes nombreux à vouloir partir au Japon, donc pour raisons touristiques, mais aussi pour raisons... professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en fait aux personnes qui souhaiteraient partir là-bas, soit pour raison touristique, soit pour raison professionnelle? Est-ce que tu aurais des petits conseils, des petites astuces, tu vois, qui pourraient aider nos participants à partir là-bas et puis à mieux s'adapter et mieux vivre leur première fois au Japon?
Je pense que le Japon, c'est vraiment, ça a certainement été, je pense presque certainement tout le monde, tous les Oui. auditeurs aujourd'hui ont déjà entendu cela, mais c'est un pays qui est extrêmement, évidemment, passionnant, profond, mais qui a une manière de fonctionner au niveau de la société qui est extrêmement différente de chez nous. Oui. C'est un... Et lorsque l'on va au Japon, je pense qu'il faut éviter de... Il faut éviter toute comparaison, en fait, hein. Ouais. Il faut pas essayer de comprendre le Japon en comparant certains de ses aspects à notre société, à notre culture française, occidentale. Sinon, ça passe Ça pas, ça peut clash, pas ouais, passer. Il faut tout à fait. vraiment réabsorber, et je pense que réabsorber de zéro comme un bébé, hein, quelque Ouais. part. Et dans ce sens-là, je recommanderais vivement à tous ceux qui ne sont pas encore allés au Japon, mais peut-être aussi à certaines Ouais. personnes qui y sont déjà allées, de lire les écrits de Nicolas Bouvier. Oui. Nicolas Ouais. Bouvier, c'est un voyageur, un grand voyageur suisse, d'origine suisse, hein, qui a passé plusieurs séjours au Japon. D'accord. Il est allé, je crois, au début, dans les années 50, hein, donc Ouais. dans le Japon d'après-guerre, et il est retourné en trois voyages au total, en restant plusieurs années sur place. Et il a vraiment une vision à la fois du voyage, et il a un mot très juste, hein, ça n'est pas l'homme qui fait le voyage, mais c'est le voyage qui fait l'homme. Et je pense que c'est quelque chose de capital lorsque l'on va au Japon, si on veut arriver déjà à apprécier ce pays pour ce Bien qu'il est, sûr. et puis aller un petit peu plus loin dans tout cela. Et Ouais. puis accessoirement, ce sont de très beaux bouquins qui font voyager Aussi, aussi. hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que le voyage vraiment mène à la découverte de soi et puis aussi à la découverte des autres. Hein. Bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Et le Japon, bah voilà, c'est un pays insulaire qui a été quand même fermé au monde pendant plusieurs années et puis qui s'est réouvert il y a à peine 150 ans. Donc voilà, nous conseillons Voilà. vivement. Ouais. Donc là, c'était un peu le thème abordé, c'était voilà, le Japon, donc Adrien qui découvre le Japon donc en 2004-2005. En 2015, donc tu étais à Tokyo, c'est là où tu as rencontré donc Naoko, ton épouse, et vous avez eu l'idée ensemble, alors peut-être pas en 2015, mais vous avez eu l'idée ensemble en tout cas de monter un restaurant, et c'est là où j'en viens à votre restaurant qui se trouve donc à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, le restaurant Mubiotan, restaurant de cuisine japonaise familiale. Comment s'est passé en fait, bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, les débuts de ce projet, de cette idée, comment était la genèse du projet, comment bah, Mubiotan est apparu dans vos esprits, hein? Alors, c'est un projet qui, je dirais que c'est un projet de vie d'une certaine manière, hein. Lorsque nous sommes retrouvés sans job, mon épouse et moi, à un certain moment, et il y avait ce rêve quelque part d'ouvrir un petit restaurant à nous, d'avoir notre projet de vie qui tourne autour de cela. Nous pensions à l'origine nous installer à Kyoto. Et nous sommes même, on avait commencé à déménager à Kyoto, à porter toutes nos affaires à Kyoto, D'accord. à regarder. Alors, ce n'est pas des fonds de commerce que l'on cherche au Japon, bon, ça, on achète une sorte de pas-de-porte, parfois des inuki, donc quand il reste du matériel. Mais bon, ça fonctionne un petit peu différemment. On avait commencé à regarder ça et là des emplacements pour notre restaurant, avec comme D'accord. projet de faire un restaurant de cuisine familiale française Ah, au d'accord. Japon. L'inverse. Alors moi, enfin, très personnellement, la cuisine, c'est quelque chose qui me passionne depuis extrêmement longtemps, depuis vraiment que Oui. je suis à l'école, depuis que je suis primaire même. Primaire. Et Tu cuisinais déjà en primaire ou ouais, tu faisais c'est là des que j'ai eu expérimentations le aussi un peu? déclic D'accord. des ateliers de cuisine à l'école primaire D'accord. qui m'ont donné envie ensuite de cuisiner, quoi, de voir toutes ces réactions chimiques aussi, hein, qui se passent quand on cuisine. Et c'est vraiment quelque chose qui attise tous les sens, donc c'est formidable, hein, pour Bien cela. sûr. Mais bon, pour en revenir au restaurant, voilà, donc la valeur initiale, c'était un restaurant qui présente une cuisine familiale, authentique, Ouais. et à l'origine, pourquoi pas, donc, française,
Au Japon. Au Japon. On avait dans la tête éventuellement Lyon aussi, puis on a pesé un petit peu. Aussi, avec quelques spécialités. Alors, pas spécialement bouchon, pourquoi pas, éventuellement aussi. Hein. Il y a très bons bouchons à Kyoto d'ailleurs. Oui, Mais oui, qui. On vous donnera les bonnes adresses. Pourquoi après. Pas. Et donc le projet s'est retourné et on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose de plus sincère, plus personnel à raconter. En venant en France, en venant à Lyon, qui est moi, c'est ma ville, je suis né à Lyon, mon épouse Naoko a étudié à Lyon aussi, un peu plus longtemps encore, et du coup présenter cette cuisine familiale japonaise qu'on connaît encore mal en France. Alors à Paris, il y a quand même pas mal de restaurants maintenant qui proposent une cuisine qui a du sens. À Lyon, un peu moins encore. Et voilà, c'est de fil en aiguille. C'est nous sommes retrouvés à venir à Lyon et partir sur ce projet-là. D'accord. Voilà. Combien de temps ça a mis un peu pour mûrir cette idée ? C'était l'histoire de quelques mois ou alors plutôt quelques années ? Alors, entre l'idée et l'ouverture, ça a pris un an et demi presque. Hein, d'accord. Ça a été une longue réflexion d'ailleurs, d'abord. Pendant 3-4 mois, on était vraiment presque certains d'ouvrir à Kyoto, puis finalement non, donc redéménagement. et finalement, c'est dans une ville comme Lyon, qui n'est pas une ville qui est non plus immense non plus, ça n'est pas évident de trouver un emplacement qui nous convient. Et comme nous, on avait vraiment la volonté de que ce soit notre lieu, hein, à nous vraiment, bien on voulait sûr. Un lieu qui nous corresponde parfaitement. Oui. Et jusqu'à ce que l'on trouve le lieu, donc à la Croix-Rousse, où nous sommes encore, toujours, hein, bien sûr, voilà, ça a pris un certain temps et ça a été un véritable déclic quand on a trouvé ce lieu-là. Ça c'est bien, il faut le prendre. Ça on a fait une offre tout de suite, cœur. Voilà, ça vraiment un gros coup de cœur immédiat et on y est bien. Et on y est bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi le quartier de la Croix-Rousse ? Est-ce que c'était vraiment ce coup de cœur en fait quand vous avez visité le local, ou est-ce qu'il y avait une autre raison en fait qui se rattache à ça ? C'est un quartier qui est très très prisé, hein. Donc à vrai dire, nous ne cherchions pas spécialement à la Croix-Rousse parce que cela nous paraissait un peu inaccessible, hein, un peu bloqué aussi au niveau colline, de hein. Voilà, c'est peu de choses bougent. Ça n'est pas immense comme quartier, et en même temps c'est un quartier qui a des valeurs extrêmement familiales aussi, hein. Il y a beaucoup de familles et on retrouve cela dans nos clients aussi, hein. Et voilà, en tant que quartier ça nous correspond absolument parfaitement. Encore fallait-il trouver le lieu à la Croix-Rousse, on en a visité qu'un seul à la Croix-Rousse et ça a été le bon. Et c'était le bon, voilà. C'était le bon, hein. Donc, ouais. À la Croix-Rousse, donc 6 rue du Viard, c'est ça ? C'est ça, ouais, juste derrière la mairie du 4e. D'accord, ouais. Puis c'est bien, vraiment, à la Croix-Rousse, il y a aussi cette vie de quartier, avec autant le marché de la Croix-Rousse qui est très connu, puis vraiment cette vie avec les commerçants, puis les habitants. Donc, puis le lien avec la soie, hein, que l'on le retrouve lien avec au Japon, la soie, tout à fait, hein, exactement. Donc, comme on en parlait la dernière fois avec Laurent, donc il y a cette histoire qui est séculaire entre Lyon et le Japon, donc avec les liens de la soie. On a parlé de la filature de soie de Tomioka. Ben voilà, là, on la retrouve encore, voilà, avec le quartier de la Croix-Rousse. Et ben, bon choix, en tout cas, d'avoir choisi le quartier des Canuts. J'aurais une autre question. Est-ce que, quand vous avez réfléchi à Mobiotan, que vous avez choisi le quartier, quels étaient pour vous les fondamentaux, les valeurs en fait, du restaurant que vous allez créer ? Non, la valeur fondamentale, hein, c'est vraiment présenter cette cuisine familiale, hein, une cuisine de bistrot, une cuisine authentique, avec comme objectif de c'est une sorte de remède en fait, hein, au mensonge culinaire que l'on peut souvent rencontrer en France, hein, et pas uniquement avec la cuisine japonaise, hein, il y a quelque chose certainement d'assez français dans je vais être un petit peu méchant, mais dans le massacre des cuisines étrangères. Il y a une anecdote que je raconte souvent lorsque nous étions en plein travaux au restaurant. Il y a un papy français qui passe devant le restaurant et qui me demande mais alors ça va être quoi maintenant? Je dis, ça va être un restaurant japonais. Il dit, ah, des sushis. Ah non, non, vous savez, au Japon, on ne mange pas que du poisson cru. Vous savez, si en France, on mangeait que du steak tartare, on serait mal barré. Ah ouais, mais alors, il y avait quoi avant ? Je dis, un resto italien. Ah, des pizzas ! Et puis, il est parti en marchant. Et je pense que ça représente bien ce que... Alors, peut-être de moins en moins, hein, on a de plus en plus de restaurants
de plein de cuisines étrangères, super intéressant, qui présente quelque chose de plus authentique. Et nous, d'abord, il y avait vraiment cela. Ouais. Et ensuite, comme je le disais, ça s'inscrit dans un projet de vie aussi pour nous, et l'envie de créer un lieu où nous sentons bien, donc ça n'est pas un lieu caricatural. Chaque jour, lorsque l'on travaille, qu'on va au Moubiotan, nous sommes contents d'y être, ouais. Et on y est bien. Et on fait une cuisine que nous aussi, on apprécie de manger tous les jours. D'ailleurs, en parlant de cuisine, comment vous avez choisi les plats chez Moubiotan ? Je crois me souvenir que dans le menu, il y a bien trois plats, c'est ça, à peu près ? Non, il y a toujours... on a toujours, chaque midi, dans le Teishuku, deux ou trois choix. En général, c'est deux. D'accord. On garde toujours... un plat carné et un plat végétarien. D'accord. Parce que la cuisine japonaise est une cuisine qui sait très bien faire en végétarien et qui a une très grande histoire dans ce sens-là. On pourra peut-être y revenir après. Mais avant tout, nous, c'est encore une fois, on cuisine ce que l'on a envie de cuisiner. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et comment ça s'est passé pour l'élaboration des plats ? Je suppose que vous avez eu plein d'idées, comme plats japonais à proposer dans la cuisine familiale japonaise, et surtout aussi pour la sélection des boissons, par exemple des thés, des bières et puis des vins aussi que vous proposez. Comment ça s'est passé, cette sélection ? Alors, nous avons là aussi, privilégié l'humain. C'est quelque chose de très important et très gratifiant aussi, lorsque l'on travaille dans ce domaine et dans plein d'autres, c'est d'avoir des interlocuteurs qui sont des artisans, d'une part. Donc le brasseur avec qui on travaille est devenu un ami. On aimait beaucoup ses bières à l'origine, et puis petit à petit, c'est devenu vraiment une personne formidable. Pour les vignerons, on travaille avec des vignerons que nous aimons énormément. Mon épouse était importatrice de vin au Japon. D'accord. Et on s'est rencontrés autour de cela, et c'est quelque chose que nous aimons vraiment... du fond du cœur. Donc, les passions rassemblent. Voilà. Mm. Pour le thé aussi, nous travaillons avec une maison de thé qui est à Kyoto, qui s'appelle Hōraido. Nous étions très timides lorsque nous sommes allés voir Monsieur Yasumori à Hōraido pour lui demander s'il voudrait bien nous vendre ces thés pour notre petit restaurant. Ouais. Et il a accepté tout de suite, et voilà, nous sommes contents d'avoir ces chouettes produits. Encore une relation d'amitié qui s'est créée. Voilà. Ouais. Très bien. Une autre question aussi. Alors, c'est quand vous avez commencé donc à monter le restaurant. Bon, je pense que ça s'est pas fait d'un seul. Ça s'est pas fait tout de suite. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de l'installation ? Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir un peu avant ? Quelles ont été les difficultés, vraiment d'ordre général, que vous avez pu rencontrer lors de la création du restaurant ? Alors, ce sont des difficultés. Des difficultés d'ordre général au niveau de la création d'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Administrativement, c'est lourd à gérer. Et je pense qu'on manque parfois de pédagogie. Alors ça, c'est quelque chose d'assez général en France, dans beaucoup D'accord. de domaines. Souvent, on nous met face à l'erreur accomplie en vous disant « Ben voilà, vous avez fait une erreur, maintenant il faut payer. » C'est pas trop non plus généraliser cela. Mais en tout cas, dans la création d'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui met beaucoup de murs à franchir qui pourraient être un peu plus simples. Oui, je pense. Des murs plus bas. Et voilà, exactement. Ouais, ouais. Et ensuite, au final, malgré tout, je pense que les difficultés qu'on a connues étaient vraiment d'ordre personnel, parce qu'il s'agit vraiment pour nous déjà d'affronter, de se dire on va le faire, on va se lancer dans ce projet qui n'est pas forcément évident, de devenir indépendant et non pas salarié d'une société. Et puis la recherche d'un lieu, ça c'est ce qui a pris le plus de temps vraiment. Bien sûr. La recherche d'un lieu, ça c'est trouver un lieu chouette, c'est pas évident dans une ville qui bouge beaucoup, comme Lyon. Bien sûr, non, c'est une très belle aventure, et puis c'est vraiment ça qu'il faut bien prendre ce temps et tout pour chercher un lieu qui vous correspond et puis qui vous convienne.
Donc 2018, hein, c'est ça. C'était en février 2018 que le restaurant a ouvert. Donc à peu près un peu plus de 2 ans maintenant. Un peu de 2 ans, bon, en tout cas. Et nous tenons la. Merci. Ah, ouais. Et nous tenons la. Nous gardons la même ligne éditoriale. Hein, bien sûr. Toujours en approfondissant un petit peu à la fois notre cuisine, notre mode de fonctionnement. Avec toujours cette belle idée de transmettre un pan de la culture culinaire que l'on n'a pas forcément souvent. Comme le disait le petit monsieur que vous avez rencontré, par exemple, on ne mange pas que du poisson cru au Japon, on ne mange pas que des sushis ou des yakitori, mais il y a aussi toute cette cuisine traditionnelle, cette cuisine du quotidien qu'on retrouve à la maison au Japon, et c'est ce que vous proposez d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me posais la question, mais Mubiotan, est-ce qu'il y a une signification ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est nous en dire un peu plus. Oui. C'est une sorte de proverbe, de jeu de mots. Il y a énormément de jeux de mots au Japon, beaucoup de kotowaza aussi, beaucoup de proverbes, de maximes. Oui. Mubiotan, en fait, cela veut dire hyotan, c'est la calebasse, une calebasse. Oui. On a des calebasses aussi en France, qui étaient utilisées autrefois, c'était la gourde du pèlerin. Donc, donc c'est un légume, la famille des courges, une courge que l'on fait sécher et qui devient un récipient, une gourde, que l'on peut remplir avec un liquide pour emporter ça de partout sur son chemin. Et au Japon, la calebasse a une jolie image, une jolie signification en elle-même. Et lorsque l'on en rassemble 6, on dit Mutsu no Hyotan, et cela s'abrège en Mubiotan. Voilà. Et Mubiotan peut s'écrire, le Mubio de Mubiotan peut s'écrire de deux manières différentes, soit avec la négation et la maladie, ou alors les psychologues. Ah oui, quand même. Mutsu no Hyotan. Ouais. Et cela rappelle la formule Mubio Sokusai, qui est une formule de bon augure et surtout de bonne santé. D'accord. Voilà. D'accord, c'est une très belle signification en tout cas, voilà, Mubiotan. Donc pour le restaurant, je pense qu'on a abordé un petit peu tous les sujets, mais j'en reviens à la cuisine. C'est une question d'ailleurs qu'on retrouve dans les questions des participants. Pour toi, quelle est la vraie cuisine japonaise authentique ? Qu'est-ce qui représente l'authenticité de la cuisine japonaise ? Alors, il y a... On pourrait parler des cuisines japonaises, je pense. Oui. Il y a vraiment différents, à la fois différents niveaux de cuisine. Alors, sans même parler de la cuisine régionale, parce qu'on va trouver des variations extrêmement importantes entre les régions au Japon, ne serait-ce que dans la matière première, dans les ingrédients. La sauce soja à Tokyo n'est pas la même que celle que l'on retrouve dans le Kansai, ou celle que l'on a dans le Kyushu non plus. Il va en être de même du miso, on a différentes couleurs, différents mélanges de miso aussi qu'on va retrouver à différents endroits du Japon. Mais plus loin que cela, la cuisine japonaise est une cuisine qui suit les saisons avant tout. C'est vraiment la saison fait la cuisine, quelque part. Et c'est quelque chose qui a énormément, cette valeur a énormément aussi inspiré la nouvelle cuisine française. Monsieur Paul, Paul Bocuse, qui a découvert au Japon, qui a découvert, on peut pas parler comme ça, mais qui a vu aussi des valeurs qui correspondaient à ce qu'il a appelé lui la cuisine de marché en France, et qui a rapporté cette importance en fait de la fraîcheur des produits, de la saisonnalité des différents produits. Et Paul Bocuse, il y a beaucoup de vidéos très intéressantes diffusées par Lina sur YouTube en ce moment, mais c'est très intéressant de le voir parler en ces termes dans les années 70, en disant que rien ne vaut un riz vert qui est extrêmement frais. Donc dans la cuisine japonaise, je pense que cette saisonnalité est extrêmement importante, et derrière toute la manière de cuisiner quelque part. On a eu la chance à Lyon d'avoir monsieur Yoshiharu Doi, qui est un éminent chercheur culinaire japonais. J'étais extrêmement ravi de c'est une personne que j'apprécie énormément, et j'étais vraiment ravi de pouvoir le rencontrer en vrai grâce au consulat. Et il est venu en France, donc c'était en
en octobre dernier, pour présenter justement toutes les valeurs de cette grande cuisine à des chefs étoilés, les meilleurs ouvriers de France à Lyon. Et moi, j'ai fait l'interprète. Et c'était vraiment une très très belle rencontre. Hein. Et j'ai eu la chance de retrouver Monsieur Doi aussi au Japon cette fin d'année pour rediscuter encore de tout cela. Et voilà, je pense que. Alors, je ne sais pas s'il y a des écrits de lui qui sont traduits en France à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment très très intéressant et on retrouve du coup cette valeur de saisonnalité principalement de fraîcheur et de technique en fait qui font la cuisine japonaise. Ouais, tout à fait. Donc cet événement qui s'est déroulé en octobre 2019, c'est ça. Tu as dû être très ému parce que c'est comme si tu rencontrais un maître, quelqu'un que tu admirais quand même depuis plusieurs années. Hein. Tout à fait. D'accord. Ouais. Et là vous avez toujours tissé des liens d'amitié. Exactement. Ensemble. D'accord. C'est une très belle histoire en tout cas. Je reviendrai aussi à ma dernière question puis après on passera un petit peu à vos questions qu'on a bien reçues et qui sont aussi très intéressantes. Ma question Adrien donc ce serait est-ce que là actuellement donc avec ton activité chez Mubiotan ou peut-être ailleurs, est-ce que tu as d'autres projets en cours donc pour renforcer les liens d'amitié entre la France et le Japon? Est-ce que vous avez d'autres projets personnels ou professionnels à partager avec nous À vrai dire, c'est continuer comme sur la lignée. Hein, il y a encore beaucoup d'évolutions pour le Mubiotan. Ouais. Je pense plein de choses qui peuvent être mieux et qui s'améliorent chaque jour, chaque mois. Et nous aimerions bien, faut trouver le temps bien sûr, mais présenter un peu plus l'univers culturel qui tourne autour de la culture culinaire japonaise au restaurant en soi et essayer à travers des événements par exemple, alors à notre échelle hein, parce qu'on est tout petit aussi, mais je pense que garder ce beau message ce message que nous aimons quoi, à propos de la cuisine est vraiment notre manière à nous de contribuer à ce lien entre la France et le Japon. Cela me fait penser à un événement qui s'est déroulé en octobre 2018, je crois, où un maître soba japonais, donc les soba, les Nuyo Sarrasin, donc c'était Monsieur Watanabe, hein, qui a un restaurant à Tokyo, et c'est la 8e génération, parce que le restaurant est ouvert depuis 1807 ou 9, voilà, début des 1800. Et Monsieur Watanabe donc vient chaque année donc à Lyon une à deux fois par an pour faire découvrir donc l'art culinaire du Japon aux Lyonnais. Et donc chaque année, il vient avec tous ses ingrédients, il vient avec sa farine de sarrasin, il vient avec tous ses outils et pour montrer aux Lyonnais en fait comment on fait les nouilles au sarrasin de manière artisanale, sachant que actuellement au Japon, selon lui, il y a que 4% des restaurants japonais qui fabriquent donc ces nouilles, les nouilles au sarrasin, de manière artisanale, donc à la main. Et donc là, il le fait devant nous, on peut les déguster après. Hein. Et c'était vous, donc Adrien et Naoko, qui avaient accueilli le maître Monsieur Watanabe hein, pour fabriquer les soba. Et on était beaucoup quand même. Hein. Oui, on était bien serré. Là, il n'y avait plus de distanciation sociale. Hein, non, pas du tout. C'est un chouette événement organisé par Nihon Jinkai. Hein, par l'association, oui. Donc voilà, on espère que Monsieur Watanabe, on vous enverra les informations, c'est un très bon restaurant qui se trouve à Tokyo. Oui, qui a une spécialité très particulière. Hein. Enfin, il faut le dojo nabe. Le dojo nabe, oui. Qui est une marmite cuisinée avec des petits poissons, des petits poissons de marécage. C'est ça, tout à fait. Des poissons d'eau douce qui ont un goût assez particulier, c'est un petit peu terreux. Hein. Et c'est bien que là-bas en fait hein, que l'on peut... Le restaurant s'appelle Dozeu, c'est ça. Dozeu, ouais. On vous donnera les coordonnées et tout. Allez, se trouve dans le quartier de Asakusa, je crois. Ouais. Et on y mange très bien dans une ambiance vraiment typique japonaise. Donc voilà. Moi, je propose maintenant qu'on passe aux questions des participants. Donc, on a bien reçu vos questions et on va y répondre donc une à une. Donc, on avait tout d'abord une question donc de Pascal. Donc, merci Pascal pour cette question. Donc, Pascal qui te demande, tu avais ta vie d'ingénieur chercheur et tu es passé à la vie de restaurateur. Donc, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ton équilibre personnel, donc avant Mubiotan, après Mubiotan, et quel regard tu portes sur cette évolution, sur ce changement qui s'est opéré?
Eh bien, ouais, c'est une réflexion. Ouais, c'est une super question. Et beaucoup de questions dans la question, mais voilà, ouais. Le avant-après, c'est ça qui est important. C'est une réflexion qui a été longue et pareil, qui est vraiment le fruit de rencontres, de belles rencontres aussi. Hein, parce que c'est vrai que le. Donc j'ai fait une école d'ingénieur ainsi qu'un doctorat ensuite. Mmh. Et ouvrir un restaurant, c'est pas ce que l'on nous propose de faire dans une école d'ingénieur. C'est, hein, c'est pas vraiment ce que l'on apprend, ouais. Ni même spécialement l'entrepreneuriat de manière générale. Ouais, hein. On nous dit que l'on aura un joli poste d'ingénieur, un travail intéressant qui rémunère bien dans une entreprise. Ouais. Qu'on changera de job toutes les quelques années parce que c'est flexible et que l'on fera carrière derrière. Ça n'est pas, voilà, un modèle qui m'a été présenté sur un plateau comme cela. Et l'idée, en fait, moi j'avais cette cuisine, hein, la cuisine comme passion, oui. Et ce sont des rencontres à Kyoto avec de très très bons amis maintenant qui m'ont, ouais, des Japonais un petit peu, enfin voilà, qui avaient chacun un petit peu leur passion, qui vivaient de leur passion, on va dire, hein, oui. Et qui m'ont montré, j'étais encore étudiant à l'époque, que l'on peut faire autre chose, qu'on n'est pas obligé forcément de suivre cette voie qu'on nous indique au départ. Et alors j'ai quand même essayé de travailler en tant qu'ingénieur, j'ai voulu regarder cela, j'ai travaillé aussi en tant que chercheur, ce sont de très très beaux travaux, hein, je me suis plus vraiment, mais j'avais toujours cette envie, cette insatisfaction en fait, hein, et cette envie derrière de faire vivre ce projet dans la restauration. Combien de fois, alors c'est vrai que la difficulté est aussi sociale, hein, parce que combien de fois on m'a dit, mais même encore, hein, maintenant, lorsque d'anciens collègues passent, me disent, mais c'est du gâchis, toutes ces études d'ingénieur, alors t'as tout laissé de côté, t'as tout laissé tomber, ouais. Pour faire ça, tu as abandonné cette... Et très rarement, on pose la question dans l'autre sens. Ah, mais c'est formidable. Est-ce que tu te plais dans ton métier, avec ça, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, Alors que la réponse est positive, toujours. Tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui me convient maintenant. Alors, ça aurait pu ne pas me convenir. Bien, hein, sûr, bien sûr. Parce que aimer cuisiner et ouvrir un restaurant, c'est deux mondes. Hein. Il faut vraiment aimer éplucher les oignons aussi. Et c'est une quantité de travail qui est impressionnante. Et clairement, c'est vraiment une mise à l'épreuve de sa passion, d'une certaine manière. Là, c'est formidable, mais... que tu puisses vivre vraiment de ta passion et que c'est, voilà, la cuisine, l'une de tes raisons de vivre avec le Japon, en c'est plus, ça, ouais. C'est un peu ton oxygène. Donc, mais finalement, il faut passer ces barrières qui sont vraiment, je pense que ça relève de la pression sociale, hein, principalement. Fait, ouais. Mais oui, à force d'y croire, l'homme peut réaliser ses rêves. Ouais, tout à fait. Moi, je m'en sens bien, à titre personnel, en tout cas. C'est un proverbe, pas une réplique, c'est un proverbe d'Hergé, voilà. À force d'y croire, l'homme peut réaliser ses rêves. Et voilà, rêve et ce chemin-là qui était. C'est ça, c'est un chemin, c'est vraiment c'est un cheminement, c'est pas un clash, il n'y a pas de clash avec. Parce que ça aussi, hein, on entend bien pourquoi changer entièrement. Ça revient en fait en arrière-pensée dans cette idée de gâchis et de laisser tomber tout ce que l'on a fait avant. Pas du tout, c'est vraiment un cheminement, je vois. Peut-être que la logique est un petit peu sinueuse, hein, dans mon parcours, mais pour moi c'est un cheminement. Je ne sais pas ce que je ferai après. Bien sûr. On ne fera certainement pas le restaurant. Le Mugyota ne sera pas là pour toujours, c'est sûr aussi. Mais on espère pas. Ce qui viendra après fonctionnera aussi. Enfin voilà, ça sera une suite à cela, et on gagne toujours. Quelles que soient les expériences, elles sont toujours intéressantes. Puis on n'a qu'une vie aussi, hein, donc vaut mieux vraiment en profiter pleinement. Essayer au moins de. Mais c'est toutes ces rencontres, voilà, qui t'ont mené en tout cas à créer Mugyotan et puis à le vivre pleinement maintenant. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment ce qui est important. Merci Pascal pour cette question. Je vais passer à la deuxième question, donc là, qui concerne un peu plus la cuisine. On a une question donc d'Alain. Donc les Japonais font partie des populations donc dont l'espérance de vie est la plus élevée dans le monde. Pouvons-nous attribuer ce constat à leur alimentation ? Alors c'est quelque chose. Hein, il y a eu des études, hein, bien évidemment, qui ont été menées, hein, sur le sujet. Certainement. Je pense que c'est certainement pour les générations actuelles, en tout cas. Hein.
pour les générations actuelles je veux dire, de personnes du troisième âge. D'accord. Je pense que c'est vraiment c'est un facteur très important. Mais il faut aussi avoir en tête qu'ils n'ont pas forcément eu le même régime alimentaire que des personnes qui sont nées plus tard, ou même que des jeunes à l'heure actuelle au Japon, où ben, la malbouffe aussi est au Japon, la consommation aussi. De viande a augmenté de manière extrêmement importante aussi, hein, et on ne mange pas de la même manière qu'autrefois, quoi. Ouais. Après, le régime alimentaire, on va dire... c'est difficile de parler de régime alimentaire traditionnel parce que c'est quelque chose qui évolue hein, toujours hein, au cours du temps, mais le régime alimentaire des personnes qui sont voilà qui ont cette espérance de vie, on va dire hein, c'est beaucoup de si et de qui et quoi, mais voilà, ce sont des régimes alimentaires qui sont principalement basés sur un apport en viande qui est mince, un apport en graisse aussi qui est extrêmement, en graisse animale, or voilà. On trouve plus le riz aussi, un peu effectivement, les oléagineux, tout ça. Tout à fait, graisse du poisson aussi. Ouais. C'est une cuisine traditionnellement qui utilise très peu de gras aussi. Hein. Il n'y a pas spécialement de friture, pas spécialement de. Contrairement à la cuisine moderne japonaise où on retrouve beaucoup de que ce soit les tempura, les foulaï. Bien sûr, elle a évolué elle a changé aussi dans le temps. Donc pour l'espérance de vie des générations à venir, nous verrons. D'accord. Mais il semblerait que ça soit en train de stagner hein, à l'heure actuelle. Vrai. Je suis pas certain que. Enfin, bon, voilà, on verra. On verra avec les prochaines études. Ouais, je suis pas un professionnel non plus de la question. Mais voilà, en tout cas, manger japonais, voilà, sain vraiment avec cette alimentation, donc pauvre en graisse et pauvre en sucre aussi, hein, participe donc à augmenter l'espérance de vie. Hein. Tout à fait. Donc, merci Alain pour cette question. Je passe à une question, donc la question d'Océane, donc qui nous demande, Adrien, donc quels sont les plats que tu as appréciés au Japon, mais qu'il n'est pas possible de refaire en France. Est-ce qu'il y en a ? Énormément, bien sûr. Alors j'ai une grande attirance personnelle pour la cuisine bouddhique, donc le Shōjin Ryōri, la cuisine des temples, qui est une véritable cuisine de la nature. On cuisine énormément les petits légumes de la forêt, hein, les sansai, une expérience culinaire formidable, c'est simplement des fukinoto, c'est un bourgeon en fait hein, qui rentre aussi dans ces petits légumes de forêt simplement frits, et ça c'est des choses absolument formidables, quoi. Et c'est quelque chose qu'évidemment on ne peut pas reproduire par manque de matières premières hein, forcément en France. Après c'est quelque chose Je n'ai pas encore cette expertise. C'est quelque chose que j'aimerais développer si, au fur et à mesure du temps, j'ai encore du temps pour cela aussi. Mais si on arrivait à dans une optique et pour le coup qui serait véritablement, je pense, dans l'esprit hein, de la cuisine japonaise, réutiliser ce que nous avons en local en France, parce qu'en France aussi, nous avons plein d'espèces que moi je connais peu aussi et que l'on pourrait aussi réutiliser à cette fin. De cuisine végétale intéressante et qui prendrait du coup ses fondements et son esprit dans cette cuisine bouddhique japonaise. D'accord. Et peut-être que cela existe hein, déjà hein, je me suis pas parfaitement informé encore, je voulais le faire, mais il y a des centres de méditation. Il y a aussi le centre zen, hein, pas loin de Lyon, le centre de la falaise verte. Oui, tout à fait. C'est Myojin-ryu, je crois, qui dépend d'une secte kyotoïte hein, qui est très très importante. Oui. Et j'imagine aussi qu'ils doivent avoir une cuisine un tant soit peu végétarienne, à minima. Et peut-être que derrière il y a cette recherche. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. D'accord. Et puis ensuite, il y a tous les produits de la mer. Hein, on ne peut pas travailler ça de la même manière.
qu'au Japon évidemment. Et en pas tout tous cas, les poissons qu'on retrouve au Japon. Tout à fait, et puis même, ou alors en tout cas, pas dans une cuisine populaire avec des tarifs que nous pratiquons chez nous au Bien milieu d'un. sûr, voilà. Lyon n'est pas tout proche de la mer aussi. Non plus. Alors donc, là tu parlais un petit peu donc, de ces, les végétaux, enfin les végétaux de la forêt et tout. Est-ce que tu voudrais tenter donc, des expérimentations hein? Oui, j'aimerais bien, oui. Après, il faudrait que je trouve. Je sais pas, on trouve des choses hein, au parc de la Tête d'Or hein, quand on se balade. Hein, il y a, d'accord. Alors, je sais pas s'il faut beaucoup le dire. Il y a beaucoup d'ail des ours, hein, notamment à la Tête d'Or. On peut aller piquer quelques petites. Enfin, bon, c'est pas permis, hein, mais pour son usage personnel. Hein, on sait ce que tu as fait voilà, le week-end dernier. On sait ce qu'on a dans la cuisine de Bogotá. Non, je Mais si j'étais à la montagne, oui, je pense que là, qui sait, ce serait peut-être un projet pour prochain projet post-Mubiotan, une ouverture d'un petit restaurant à la montagne, à faire de la cuisine végétale avec ce qu'il y a autour. Tout à fait. Ça serait un rêve, ça, oui. C'est quelque chose en plus qui lie ta formation, donc chercheur-ingénieur, où tu as le côté expérience et puis le côté culinaire. Mais tout un morceau de culture que je n'ai pas encore et beaucoup d'études encore. Hein. D'accord, oui. Beaucoup de choses à apprendre. Donc, merci toujours. Océane, en tout cas, pour cette question. Je passe à la question de Charlotte, donc toujours liée à la cuisine. Donc, la question de Charlotte, c'est n'est-il pas compliqué de s'approvisionner en ingrédients japonais? Je suppose que c'est à Lyon, on va dire à Lyon, oui, en tout cas. Alors, grâce à la mode du sushi, nous avons maintenant en France des importateurs et distributeurs de produits d'épicerie japonais hein, qui nous permettent de trouver donc une grande partie de ce dont on a besoin pour cuisiner. Mais on ne trouve pas tout encore hein, bien sûr, il y a beaucoup de produits qui font défaut, notamment souvent ce sont à cause de normes d'importation au niveau des métaux lourds par exemple hein. Et par exemple même trouver un bon kombu, aucun des grossistes qui est une algue le kombu qui est une algue utilisée pour faire le dashi hein. Beaucoup de dashi voilà, enfin, d'autres choses aussi le dashi de manière générale, mais bon qu'on retrouve dans énormément de préparations. Nous on importe nous-mêmes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on importe nous-mêmes parce que ce sont des produits qui importés en gros ne passent pas les normes de niveau des métaux lourds. Ouais. Donc notamment le kombu, il y a d'autres produits. Hein. Moi j'aime beaucoup aussi faire des bouillons de niboshi. Niboshi c'est un petit poisson de la famille de la sardine qui est séché et que l'on utilise pour faire des bouillons pour la soupe miso notamment. Hein. D'ailleurs je pense que ça va bien mieux avec le miso que le katsuobushi. Bon c'est personnel. Mais ça aussi non plus, le niboshi on ne trouve pas encore. Ça n'est pas distribué pour les restaurateurs à minima. Hein. Voilà, donc ce sont des choses, on essaye de s'approvisionner nous-mêmes pour ces produits-là. Ouais. En tout cas, à Lyon, on trouve de plus en plus maintenant d'épiceries donc, qui sont ouvertes donc, pour les particuliers. Bien il y a sûr. Aussi voilà, les grossistes également. Mais c'est vrai, il y a de plus en plus d'épiceries, donc d'épiceries japonaises à Lyon. Hein. Oui. Ouais. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va évoluer avec les. Il y a eu des accords hein, l'an dernier, des accords commerciaux entre le Japon et l'Europe. Alors ça. C'était il y a un an et demi, ouais, à peu près. Qui portait sur, je crois qu'il y avait au moins les voitures, mais bon, il y avait le vin, le saké notamment. Oui, il y avait le saké je aussi, ne sais pas s'il y a eu des choses émises au sujet d'autres produits, c'est pas certain, mais si cela a aidé un petit peu, pourquoi pas. Déjà avec le saké. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, ça c'est sûr. Très important aussi. Hein. Vous proposez du saké aussi chez Mubiotan. Oui, un petit peu. On a une petite sélection de très très jolies choses. Ça, on commence à avoir vraiment de jolis nihonshu en France. Ouais. Ça a un prix, hein. C'est cher, c'est très cher encore. Ouais. Mais voilà, on commence à avoir des choses qui se tiennent, vraiment. Ouais. Le nihonshu, donc c'est aussi... c'est pas très fort, c'est comme un vin, c'est à peine 16% aussi. Oui, hein. Oui, c'est un produit de fermentation. Le saké, qui veut dire vraiment alcool, et le nihonshu, donc c'est plus l'alcool de riz. Nous, on appelle saké, malheureusement, en Occident, on appelle saké tout ce qui... Enfin, on appelle saké le nihonshu, hein, quitte à porter... Enfin, ça porte un peu à confusion, Alors que c'est complètement différent. Ce nihonshu, qui est un alcool qui est uniquement fermenté, ça n'est pas distillé, donc le taux alcoolique monte aussi haut que peuvent... survivre en fait les levures hein, tout simplement, à savoir 17 degrés, 18 degrés maximum. Après, il faut ajouter de l'alcool si on veut manger plus, mais bon, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. En tout cas, vous avez également une bonne sélection de saké.
Ça, ce sera pour la dernière question. Il y a encore deux questions, donc je vais passer à l'avant-dernière. On a une question donc, de Madame Fukami, donc, qui nous dit donc, qu'elle prévoit de s'installer à Lyon, enfin de venir en tout cas dans la banlieue lyonnaise cet été, qu'elle aimerait en savoir un peu plus sur Lyon. Donc, il y a trois petites questions dans la question. Donc, je traduis. Donc, à Paris, voilà, on trouve des restaurants de cuisine japonaise authentique. Qu'en est-il à Lyon ? Ensuite, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce goût de la cuisine japonaise qui est souvent adapté aux Français, qui peut être parfois trop sucré ? Je pense qu'on fait référence à la sauce soja sucrée, par exemple, ou un peu fort. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, qui rejoint un peu celle que j'ai posée, que représente pour vous, que représente pour toi donc la cuisine japonaise authentique ? Eh bien, oui, c'est une très très bonne question qui on s'est qui nous a on a longtemps on a beaucoup réfléchi à cela avant l'ouverture, même au début du Mugyotan, nous avions un peu peur que beaucoup de clients nous demandent de la sauce soja pour mettre sur le riz, parce que le riz blanc, oui, tout seul sans assaisonnement, c'est voilà, il faut comprendre, c'est, oui, pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. Bien sûr. Même quand le riz est super bon, et, oui, et sauce c'est soja quelque chose, ou sauce soja sucrée aussi. Et donc c'est quelque chose, voilà, on travaille vraiment à avoir bon, parfois le riz, certains jours il est un peu moins bon que d'autres jours, ça arrive, oui, voilà, mais on travaille vraiment à avoir un riz qui est bon en l'occurrence, oui, et nous nous sommes aperçus que finalement très peu de clients nous demandent de l'assaisonnement pour le riz. Tout à fait, parce que le riz a déjà du goût et puis il est vraiment de qualité. Voilà, et puis je pense que petit à petit, c'est quelque chose, je pense qu'il y a un véritable travail de pédagogie encore à mener, hein, oui, pour cela. Ça nous est arrivé au début d'avoir des assaisonnements qui apparemment n'étaient pas assez puissants pour une certaine clientèle. Après, cela ne nous a pas empêché de créer une clientèle en particulier, d'avoir des gens qui comprennent, oui, aussi ce goût. Et je pense que c'est particulièrement intéressant parce que nous travaillons, nous avons au Mugyotan, en plus de donc une cuisine de bistrot, hein, qui peut parfois être assez punchy, hein, au niveau des assaisonnements, oui, des choses un peu puissantes, quand c'est... voilà, notamment le curry japonais sautées, qui est confectionné voilà, par toi-même. C'est très moderne, ouais, oui. Mais... nous avons aussi une cuisine végétarienne, une cuisine à base de tofu qui est souvent beaucoup plus légère, d'accord, beaucoup plus fine au niveau des assaisonnements, oui, et ça passe ou ça casse, parfois, parfois ça, voilà, oui. Mais je pense que petit à petit vraiment la clientèle en France va s'adapter à la cuisine étrangère, hein, et je pense aussi que ça ne vaut pas uniquement pour la cuisine japonaise. Tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et qu'en est-il à Lyon ? Est-ce qu'on retrouve d'autres restaurants, d'autres bistrots japonais qui proposent une cuisine authentique ? Oui, oui, alors nous ne sommes pas les seuls, hein. Bien sûr, dans le 6e arrondissement, il y a aussi quelques très bons restaurants. Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'on est, on a, je pense que chaque restaurant a un petit peu ses spécificités. Oui. Pour bien diversifier et pour apporter aussi, oui, de, oui, tout. Oui. Donc on y a, je pense notamment au restaurant Chez Terra qui est l'un des plus anciens restaurants. Une institution à Lyon. Voilà. Et, ouais, et ils ont une cuisine de bistrot qui est extrêmement intéressante et qui, alors qui parfois se rapproche peut-être plus du Yoshoku, hein, donc de cuisine, ce qu'on appelle au Japon la cuisine à l'occidental, qui est très japonaise, hein, c'est fait, super japonais, hein, ouais, mais qui pour le coup peut être assez puissante, hein, en saveur. Voilà, chez nous on orbite un petit peu entre les deux et petit à petit on s'oriente. Moi j'aime de plus en plus faire des choses qui titillent un petit peu les Français à aller chercher. Donc du plaisir dans la cuisine, non pas uniquement avec l'assaisonnement puissant, mais en allant regarder les textures, tu veux faire travailler tous les sens, voilà, en fait, ouais, ce et ça, bon, goût, il y a encore du travail, hein, comme toujours, plein de choses encore à faire, mais voilà, bien sûr, c'est après avec toutes ces expériences, je dirais, voilà, qu'on apprend, et puis avec le retour aussi. Mais je pense qu'il faut aussi, on peut noter que cette tendance à trop assaisonner, à avoir des goûts forts, de la cuisine avec du gras qui est très satisfaisante, dans cette cuisine japonaise moderne,
Ça n'est pas qu'en France, hein, mais au Japon aussi, hein, on retrouve cela. Bien sûr. On retrouve ça, et Oui. d'où le succès d'enseignes qui font. Je crois que ces dernières années, c'était la mode du bol de riz surmonté de roast beef dessus, Tout à fait, voilà, de tout à choses un fait, peu. oui. Ou plus de friture, ou même tout ce qui est ramen. Les ramen, c'est. Donc, les ramen sont des nouilles d'origine chinoise, hein, qui ont été introduites au Japon de manière assez particulière, parce que jusqu'à l'arrivée des ramen au Japon, il n'y avait pas de bouillon animal, hein, il y avait des bouillons de poisson, il n'y avait pas de Voilà, bouillon provenant de viande. Donc c'est arrivé en petit à mixant petit, en tout cela cas, avec un petit peu, voilà. ouais. On en suit du Et bouillon de porc, quoi, oui, c'est ou un ça. porc ou de poulet Ouais. ou autre, hein, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement salé, c'est extrêmement fort, et c'est un Ouais. succès formidable. Ouais, Ouais. ouais. Et je pense que c'est vachement plus, enfin, c'est bien bien plus facile d'exporter le ramen à l'étranger que d'exporter une cuisine qui est peut-être plus végétale, plus évanescente, plus fine au niveau Alors des qu'on devrait saveurs. revenir plutôt à ses saveurs, quoi, déjà Pourquoi pas, pour pourquoi pas? Il en faut le pour tout le monde tournage, aussi, hein. il en faut pour tout le monde aussi, quoi, mais c'est vrai, Ouais. voilà. Faut salé, trop sucré, on peut être attiré par ce genre de choses. Je vais passer à la dernière question. Donc, ça pourra donner des idées de recettes. Donc, c'est une question de Shinji qui nous demande, donc il y a deux petites questions. Donc, quel est le plat français qui irait très bien avec le saké et quel est le plat japonais qui se marie très bien avec le vin? Donc, nous avons un bon vivant parmi nous. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme plat français avec le saké et plat japonais avec le vin? Alors, je pense que le saké, le nihonshu, est très très est très fort lorsqu'il s'agit de se marier avec des mets pour lesquels le vin ne fonctionne pas. D'accord. Typiquement, il est à peu près impossible de boire du vin avec une salade, hein, avec une salade assaisonnée, Mais non. avec une vinaigrette. Tout. Certains Ouais. sakés peuvent Ouais. fonctionner. D'accord. Après, allant plus loin que cela, le saké peut aussi jouer le rôle de. Oui, bon, juste pour finir, hein, pour cela, Vas-y, le saké vas-y. peut fonctionner bien mieux que le vin pour des assaisonnements et des plats qui ont une acidité aussi Ah parfois oui. assez prononcée, à mon goût, hein. Ensuite. Le saké peut extrêmement bien fonctionner avec des plats pour lesquels le vin aussi fonctionne bien. Oui. Mais il y a des choses absolument formidables à faire simplement lorsque, vous savez, en France, lorsque l'on mange une huître donc hein, qu'on gobe Oui. crue avec un tout petit peu de citron Un dessus petit ou peu de pas, hein, citron, tout spécialement. à fait. Souvent, on boit un muscadet assez sec avec. Mais alors, boire un nihonshu avec, c'est quelque chose d'absolument formidable. L'idée intéressante. Ça reflète le côté iodé qui est très puissant de l'huître, peut se D'accord. marier super bien Oui. avec des nihonshu qui vont pas trop partir sur la douceur, hein, mais sur des choses un peu plus Bien sèches, sûr. ouais, notamment. Et inversement, donc pour le vin avec la cuisine japonaise, on a souvent le cliché du pinot noir en vin rouge avec la cuisine japonaise, ou Oui. alors du vin blanc. On Oui. dit vin blanc avec la cuisine japonaise, ou alors pinot noir, D'accord. ça fonctionne, c'est certain, mais je pense qu'il y a d'autres associations qui sont très intéressantes à faire. Nous, dans nos choix, pour le vin, il y a deux choses à éviter, déjà. C'est les vins aux tanins trop prononcés. D'accord, donc trop Donc tannique, voilà, trop tannique, oui, malheureusement des vins trop du costaud. sud, des, ouais, certains vins du sud-ouest comme le Cahors par Ou exemple. l'Hermitage, par exemple, hein, Alors aussi. voilà, quand Ouais. c'est trop tannique, Ouais. trop râpeux, Oui. en général ça Ça ne passe passera pas. pas. D'accord. Et deuxième chose, ça c'est peut-être assez personnel, mais les D'accord. vins qui ont un élevage en barrique, donc qui ont un côté boisé, En chêne. je trouve que cela ne fonctionne Ça ne pas du fonctionne tout pas non très plus bien avec non la plus, hein. plupart des plats japonais. Mais derrière, alors si on va parler par exemple. Si l'on fait simplement un nikujaga, donc Un plat de la avec de la viande, viande voilà, de la de viande de bœuf, bœuf, hein, hein, c'est ça? qu'à l'idéal on est émincé Ça assez donne faim, finement, ça met l'eau à la bouche. voilà, on met en ragoût avec des pommes de Oui. terre, c'est un peu sucré, il y a des oignons dedans D'accord. et de la sauce soja hein, qui ressort bien. Je pense que boire avec un grenache de la vallée du Rhône, un grenache mais pas trop Parfait. tannique, avec beaucoup de fruits très ronds, Bien sûr. c'est Ces formidable. épices. Voilà, Oui. c'est très Tous très ces arômes chouette. d'épices. Et puis ensuite, il y a d'autres cépages très intéressants lorsque l'on part dans le Jura aussi. Hein, Oui. j'aime beaucoup cette région.
Le trousseau, par exemple, le trousseau qui est un cépage jurassien qui fait des vins qui sont très clairs, Oui. très peu tannés, peuvent aussi fonctionner avec beaucoup de choses, je D'accord. pense. Ainsi que, alors là c'est un petit peu plus spécifique encore, sans parler de vin jaune, qui. C'est le vin Peut-être jaune, un c'est peu un vin qui est élevé acide. pendant 6 ans, Oui. oxydatif, donc c'est très très fort aussi. Oui. Mais il y a des vins dans les côtes du Jura, des vins qui sont élevés sous voile aussi, de manière oxydative, où on retrouve ce côté assez enivrant, assez spécifique, hein. D'ailleurs, au passage, il y a un côté oxydatif dans certains Bien sûr, yongchu, hein, oui. c'est très intéressant aussi. Et ça aussi, il y a des choses très intéressantes à faire avec la cuisine japonaise, hein. D'accord. Bon, en tout cas, tout ça met vraiment l'eau à la bouche, ouais. Ouais. Pour ce soir. Donc, ça pourrait être un petit plat japonais avec un saké. D'ailleurs, je reviendrai à une autre question. Bah, qu'est-ce que vous proposez là actuellement chez Mubiotan? Quels sont les plats que vous proposez? C'est toujours un curry ou Alors, c'est. la semaine dernière, comme on pensait que la chaleur allait arriver, on s'est lancé dans un plat un peu plus estival. D'accord, un peu plus frais. On a fait, nous avons cuisiné nanbanzuke pour la cuisine carnée. D'accord. Donc c'est de la viande. On l'a fait avec du porc, ce qui n'est pas forcément D'accord. plus classique, hein. Qui est fariné à moitié frite et ensuite refroidi, en fait rafraîchi dans une sauce soja vinaigrée avec pas mal de légumes à l'intérieur, D'accord. qui lâche un petit peu de jus, et ça c'est quelque chose d'assez ouais, c'est bien salivant. D'accord. Et puis là pour la pour Un plat qui se marie bien avec l'été. ça, oh, je sais Ouais, pas. non, non. Il faut venir tester. Et pour le plat végétarien, nous la semaine dernière nous faisions un hamburger, donc un steak hamburg de tofu qu'on fabrique nous-mêmes, donc sans viande, hein, pour le coup c'est D'accord, uniquement donc tout fait maison. donc végétal, avec une sauce un petit peu, une sauce au miso un petit peu, lorsque D'accord. l'on retrouve du côté de Nagoya, et puis plein d'oignons nouveaux. D'accord. Les oignons nouveaux parce qu'on n'a pas de negi, hein, on n'a pas Ouais. le negi en France, mais on a des choses qui se marient extrêmement bien aussi Ouais. avec le miso, Ça qui a peuvent l'air. remplacer D'accord. Bah joliment écoutez, aussi. Voilà. Puis pour la ça a semaine à l'air. venir, c'est pas encore décidé. D'accord, c'est la surprise. Bon, ouais, vous ouvrez à partir du mercredi, C'est je crois, ça, jusqu'au voilà. dimanche. Ouais. Proposer bah, toujours les bentos, c'était vraiment une initiative qui avait été lancée donc juste avant C'est ça, le déconfinement oui. total. Donc toujours les bentos, là vous avez Un petit peu, réouvert oui. et puis bah, on est vraiment ravis. On va bientôt arriver bah, à la fin de cette visio de conférence. Je pense qu'on a répondu aux questions de tous les participants. Donc bah, je tiens à te remercier déjà Adrien de nous avoir consacré beaucoup de temps aujourd'hui, de nous avoir raconté bah, ta vie au Japon, toutes tes aventures nippones, comment l'idée de Mubiotan vous est venue en tête et comment bah, depuis bah, maintenant 2 ans, hein, donc vous nous faites découvrir une cuisine familiale japonaise authentique et c'est vraiment un côté chaleureux quoi qu'on retrouve à chaque fois chez vous donc Merci. vous avez bien réussi en tout cas on s'y sent bien on s'y sent comme à la maison je dirais donc merci beaucoup Adrien Merci à toi. merci à vous également donc bah, d'avoir participé d'avoir été présent avec nous bah, tout au long de cette conférence je vous enverrai donc le lien de la vidéo si vous voulez la visionner à nouveau si vous voulez la partager aussi et puis voilà bah, d'autres infos aussi que j'enverrai donc sur Mubiotan. Donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bah, on se dit à très bientôt parce qu'il y a d'autres visioconférences qui seront organisées d'ici quelques jours pour bientôt. Donc voilà, merci à vous et puis bah, très bonne soirée. Merci Adrien. Merci. Merci. Bye bye, Janet.